السلام عليكم. بالنسبه لهذا الفيديو فهو كيخص تلاميذ جامعه مشترك عيد ميل. غادي نخدم معكم فيه كيفيه حل الندمه مبيانيا، يعني كومون ريزو غرافيكمون لو سيستيم. اختاريت لكم هذا لو سيستيم. دونك 2x موان y انفيريور ا 1، x موان y سوبيريور ستريكتومون ا موان 2. دونك هنا عندي دو ايكواسيون دو بروميير دوغري ا دو انكونو اللي هما x و y. دونك premièrement, on va isoler les y. Regardez, ici on a 2x moins y inférieur à 1. Donc, je vais mettre ici 2x moins y inférieur à 1. On va isoler y. Donc, moins y inférieur 2x, on le fait passer à l'autre côté. Donc, je vais changer son signe. Ça, c'est plus 1. Donc, ici, je vais multiplier par moins 1. Je vais faire la même chose dans l'autre côté. Donc, ça, c'est y et ça, c'est 2x. Je vais multiplier par moins 1. On a multiplié par un nombre négatif, c'est-à-dire on va changer le symbole. Regardez. Voilà l'inéquation numéro 1. Passons maintenant à x moins y supérieur à moins 2. Strictement à moins 2. La même chose, on va isoler y. Donc regardez, plus x, on le fait passer à l'autre côté. On va multiplier les deux membres de cette inéquation par moins 1. Donc ça c'est x et ça c'est plus 2. On a multiplié par un nombre négatif, donc je vais changer le signe. Donc voilà l'inéquation numéro 2. D'accord. Donc après je vais écrire soit d1, la droite d'équation y est égale à 2x moins 2, et soit d2, la droite d'équation y est égale, regardez ici, on a x plus 2. D'accord. Donc pour D1, je vais tracer un petit tableau pour D1. Regardez. Donc, on a l'ordonnée à l'origine, on a moins 1. Mais maintenant, quand nous avons le tableau, on va faire. Donc, je vais remplacer x par 0. Deux fois 0, c'est 0. Près moins 1. Donc, y, c'est moins 1. On a remplacé x par 0 et on a trouvé que y est égal à moins 1. Ou déjà, moins 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, il y a un sur le tableau. Après, je vais remplacer x par moins, par 1. 2 fois 1, c'est 1. 2 fois 1, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Et 2 moins 1, c'est 1. Donc, on a comme 2 fi 1, راه هي 2. On a قسمنا 1, راه يبقى 1. Voilà, on a trouvé deux points. Et on va faire la même chose pour la droite des deux. Voilà l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Donc, si on remplace x par 0, on va trouver 2. Déjà, ça c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, on peut mettre des roches sur la table, l'ordonnée à l'origine. On va mettre x1. Donc, on va trouver que y c'est 3. 1 plus 2, c'est 3. Donc, on va remplacer les... On va tracer les deux droites, D1 et D2. D'accord. Déjà, on dit l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1. Un des moins 1, c'est l'ordonnée à l'origine. On dit 1, 1, le point 1 et 1. Là, c'est 0 moins 1. Donc, je vais tracer la droite des 1. Donc, regardez. أرضو معايا البال مزيان باش تفهموا. فوالا لا دروات دي ان. حيت الا فهمتوا هذا المثال ما غتلقاوش مشكل في بالنسبه للحل المبياني. غتقدروا تخدموا اي مثال اللي غيعطيوكم. دونك فوالا لا دروات دي ان. دونك هنايا اون دو ديفيزي هاد لو غرافيك اون دو. اون ا ان دومي بلان بار ايسي وكارتي اي ان اوتر دومي بلان بار ايسي. مي هنا ديما خصكم تطرحوا واحد التساؤل. غادي تقولوا كيلي le demi-plan que nous devons prendre, ou bien quel est le demi-plan solution. D'accord. Il y a une ou le hada. Alors on a toujours ce dire, on regarde l'origine. Tu m'as dit l'origine ra ou hada coordonnées dialogue 0 0. On a le premier système là tabna ou hada. Qu'est-ce qu'on dire? On va remplacer x par 0, y par 0. Si le résultat est inférieur strictement à 1,
Alors, le demi-plan contient l'origine, c'est-à-dire le couple 0-0 appartient au demi-plan solution. Yani, qu'est-ce que comme le couple 0-0 appartient au demi-plan solution. Et les deux demi-plans, le résultat inférieur strictement à 1, mzien, idem. Donc le couple 0-0, il appartient au demi-plan solution. On va remplacer x par 0. Regardez, 2 fois 0, c'est 0, moins 0. Et 0 moins 0, c'est 0. Est-ce que le nombre 0 est inférieur à 1? Bien sûr, oui. Donc, le demi-plan contient l'origine. D'accord? Le couple 0-0 appartient au demi-plan solution. D'accord? Le demi-plan, l'effet l'origine ou d'accord? Le demi-plan, l'origine, le point haut de coordonnées 0,0, donc cette partie, donc je pars. C'est-à-dire que nous avons dit que nous donc je vais taper les uns. La partie assurée. Mais la partie solution, yéhadi. Et celle qui contient le couple 0,0. D'accord? Mais bien, nous avons d'abord pris la partie qui est libre. Yéhadi. Maintenant, on va tracer la droite des deux. L'ordonnée à l'origine, c'est C2. Donc 0, 1, 2. Voilà, 0, 2. 1, 3. 1 et 3. 2 et 3. Donc je vais tracer une deuxième droite. Là, il y a la deuxième droite. De la deuxième droite transmis au des deux. Ici, on va faire la même chose. Ça, c'est 1, 2, 3. Non, c'est bien. Ça y est, on va remplacer x par 0, y aussi par 0. Et c'est le résultat. Est supérieur strictement à moins 2, c'est-à-dire le couple 0, 0 appartient au demi-plan solution. Le demi-plan. On va le faire au Kainhead. D'accord? On va voir ce qu'on va faire, ce qu'il y a dans le couple 0,0 ou là. Si on remplace x par 0 et y par 0, on va trouver 0 moins 0. 0 moins 0, c'est 0. Est-ce que le nombre 0 est supérieur strictement à moins 2? Bien sûr, oui. Donc, voilà. On va voir la nature. C'est-à-dire, le demi-plan solution contient l'origine. Donc, on peut dire que le couple 0,0 appartient au demi-plan solution. D'accord? Finalement, on fait 0,0, le demi-plan, donc, c'est donc, finalement, on ne va pas le couple 0,0, c'est donc, j'assure. C'est la partie, mais on va dire que c'est donc, finalement, la partie solution, c'est la partie non assurée. Et solution, bien sûr, du système. On va dire que c'est la partie Howard, le point O, de coordonnées 0,0. Donc la partie non assurée et solution du système. Voilà.